et son conjoint Alain De Celles vont devoir répondre à trois accusations devant la justice. Coupable à des accusations d'agression sexuelle. Le plus dur, c'est de vivre dans le mensonge. Aujourd'hui, je marche dans la rue, là, puis je me sens libre. Madame, monsieur, bonsoir. Pendant 25 ans, Nathalie Simard a vécu dans une prison. Une prison que son gérant avait érigée autour d'elle afin de mieux l'exploiter, de toutes les manières, professionnellement, financièrement, sexuellement. Parce qu'elle avait peur de briser des vies, elle a souffert en silence pendant tout ce quart de siècle. Et puis un jour, elle a brisé ce silence, une fois pour toutes. Du coup, elle s'est libérée de la honte, de la culpabilité, de sa souffrance. Et est devenue un modèle pour des milliers d'hommes et de femmes qui souffrent aussi. Sa vie est un périple exceptionnel qu'elle a accepté de refaire avec mon équipe et moi. Nous l'avons accompagnée dans quelques-uns des lieux qui ont marqué sa vie. Cette histoire commence donc dans le berceau de la civilisation française en Amérique, l'île d'Orléans. Car c'est là qu'est née Nathalie, le 9 juillet 1969, et qu'elle a vécu les 9 premières années de sa vie. Il s'est mis à crier, monsieur. Alors ici, on se retrouve à l'île d'Orléans, c'est ici où je suis née. Ça fait toujours quelque chose quand j'arrive ici. Puis ça, à votre droite, vous allez apercevoir la maison où j'ai grandi. À l'époque, c'était un toit bleu. Et puis, toute la famille Simard a habité ici. Et puis, je vais aller vous montrer un petit peu la cour où j'ai joué, grandi. Fait du skidou avec mon frère Martin. Juste en haut à droite, il y a une église anglicane. Où mes frères me racontaient qu'ils faisaient des messes noires. Puis quand ils s'inventaient, là, ça faisait... Puis là, j'avais peur, c'est sûr. J'étais toute petite, j'avais peut-être 3-4 ans. Et puis ici, c'est la maison. Bonjour. Mon Dieu! C'est ça qui avait vu, c'est quand tu vis ta soeur orange. Mais moi, j'en mets une bonne. Tu te souviens de la maison des sœurs? Oui. Moi, je me souviens que tes frères jamais là-dedans. Ben puis, oui. Tu as joué de la musique. Moi, je me souviens de pas les gens Roger. C'était d'aller couper le courant. Puis après, c'est une courant. Après, je me suis dit, je sais pas si c'était quel. Je pensais que c'était le Il a manqué d'électricité. Là, je criais, j'avais peur. J'ai beau le supplier, le cajoler, lui faire des fesses. Oui, comment ça va? Oh, ça fait longtemps que. Ben oui. T'étais une toute petite fille à 8 ans. J'étais une toute petite fille à 9 ans. Puis ton père était venu chez nous rencontrer mon père. Puis t'avais chanté toute la journée. J'avais chanté tout le long. T'avais pas parlé, t'avais chanté toute la journée. Tout le long, t'étais descendue au camp en bois avec mon père, dans le tracteur. Je sais pas si t'en souviens. Ah oui, écoute, j'ai des images. Ouais, c'est ça, c'est comme ça. Je me souviens, là, le ouais. Tracteur, son tracteur, puis qu'on était descendus, ouais. Puis c'est. Tu chantais. C'est comme des flashs, là. Ouais. On m'a dit que la disposition n'était pas la même, que le bureau du prof était dans le fond là-bas et que les enfants étaient tous comme ça, mais là-dessus. Comme se retourner. Oui. Oh, c'est... Bienvenue dans ta classe. Celle qui a écrit « Bienvenue dans ta classe », elle est avec nous ce matin. Madame Ghislaine Simard, c'était la maîtresse d'école quand on a repris la classe. Oh, mon Dieu! Je suis contente de te voir. Moi aussi. La famille Simard de l'île d'Orléans, c'était pas une famille riche. On en convient tous. On peut même dire une famille pauvre. Oui. Vous l'avez constaté, vous aussi. Oui. Lorsqu'elle était avec moi, c'est ça. C'était un milieu un petit peu difficile. Puis elle n'avait pas toujours le suivi nécessaire, je crois, ce qui regarde les travaux scolaires.
Donc, elle vous arrivait avec les devoirs et les leçons étaient... Ça l'arrivait des fois que rien n'était fait, le sac n'avait pas été touché, là, c'était tel quel, là, oui, ça l'arrivait. On raconte qu'elle est gênée, par exemple, qui faisait partie de la chorale, à Sainte-Pétronée, c'est bien ça. Et... Ben, il se faisait passer des habits, des vêtements par un voisin. Parce qu'on n'avait pas les sous. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de temps de tendu, là. Bien que les cadeaux de Noël, là, c'est les voisins qui nous les offraient. Mais on était heureux pareil. Puis les occupations familiales qu'on avait, là, c'est d'aller à l'église, puis surtout chanter. Mon père nous faisait chanter, il réunissait les enfants, puis OK, les enfants, on va chanter. Puis... Alors c'était comme un peu la petite chorale, là, tu sais. Et moi, ben, à travers ça, ben, j'essayais de suivre les autres. Pour nous autres, chanter, c'était important. Là, on oubliait tout. C'était un rassemblement familial. Là. Puis René et Régis sont ramassés tous les deux en finale des découvertes de Jean Roger. Le moment est venu de vous présenter notre quatrième concurrent. Cette semi-finale, il nous vient de l'île d'Orléans, on l'a dit très fort, René Simard.